Problème de voisinage, problème d'arnaque en famille, quel que soit votre souci administratif, vous pouvez joindre l'équipe de Sans Aucun Doute. Il vous suffit d'écrire et d'envoyer des documents photocopiés, bien sûr, à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Vous pouvez également utiliser le téléphone, le 0826 107 109. Une histoire d'amour qui se termine mal, la jeune fille se retrouve sans rien, puisque le monsieur est parti avec l'argent, avec la voiture et même avec les papiers de cette jeune fille qui est bien embêtée maintenant. Voici Jennifer et sa maman. Victime d'une rupture amoureuse, Jennifer n'a plus rien. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Depuis le début, ben, les bonnes qu'à payer. Ben non, je vais avoir ton adresse. Aidée de l'équipe de Sans Aucun Doute, Jennifer veut démarrer une nouvelle vie. Mais cela ne sera pas simple. Vous avez un travail. Votre fils a un travail et elle, elle n'a pas de travail. Elle, elle n'a rien. C'est une douloureuse affaire qui démarre tout de suite. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau de Sans Aucun Doute. Bonsoir. Merci. Madame. Bonsoir. Qu'est-ce que vous attendez, mademoiselle, de cette émission ce soir? Ben, j'attends déjà de récupérer mes papiers. Parce que je suis sans rien, j'ai plus aucun papier, carte d'identité, il m'a tout pris. Et j'attends aussi de voir si, parce que j'étais à la banque et je me suis un peu renseignée, il a appelé pour dire qu'il allait prendre le crédit. Mais bon, ce crédit est encore à nos deux noms et je voudrais lui laisser à sa charge parce que je n'ai pas le permis et c'est lui qui a la voiture. Alors, vous avez dû certainement peut-être l'avoir au téléphone depuis, mais qu'il prenne, allez, la télé, etc. Ce que vous aviez acheté d'ailleurs en commun. En commun. C'est déjà pas très sympa, pas très fair-play, mais admettons. Mais oui. Pourquoi vos papiers, vos propres affaires? J'ai eu une fois pour lui demander mes papiers. Déjà, j'ai pas pu parler parce que c'est lui qui criait, donc c'est lui qui est en faute et c'est lui qui criait après moi. Et de toute façon, j'ai demandé mes papiers et il m'a dit qu'il me les rendait pas, qu'il allait me les cramer. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc ce greffe là-dessus, des problèmes de crédit que vous aviez pris à deux pour acheter une voiture, bien que vous, on le sait, vous n'avez pas le permis, donc, mais malheureusement vous l'avez quand même pris à deux, ce crédit. Donc au moins que les deux remboursent, même si c'est lui qui profite de la voiture. Vous nous amènerez également, je pense, la preuve que sur le compte joint que vous aviez, celui avait une carte bancaire, je crois, donc c'est lui qui pouvait retirer l'argent. Mais aujourd'hui, quelle est votre situation financière? Mais j'ai plus rien. J'ai plus rien, il a tout pris, j'ai plus d'argent. J'ai travaillé 2 ans de ma vie pour rien parce que j'ai plus rien. J'ai plus de sous, plus de vêtements, plus rien. Madame, ça doit vous faire de la peine de voir votre fille dans cet état? Bah quand même, hein. Je suis même déçue pour elle parce que bon, je l'avais prévenue, je l'avais avertie de faire attention quand même parce que bon, elle est toute jeune, donc il a profité de sa naïveté, quoi. Voici maintenant l'enquête. Elle est signée Grégory Aujol. Grégory qui est d'ailleurs d'ores et déjà en duplex pour intervenir dans quelques instants après le reportage. Nous regardons l'enquête. Coup de fil et duplex qui s'annonce malgré tout assez musclé. C'est dans quelques instants. Regardez bien. Nous sommes en juillet 2006. Il y a à peine 2 mois, Jennifer, 21 ans, passe de paisibles vacances en famille avec son petit ami. Au moment où elle filme ces images, elle ignore encore que ce sont les derniers instants qu'elle vit avec lui. C'est le soir même avant qu'il parte. Je croyais qu'on était bien, qu'il s'amusait bien, mais en fait, pas du tout. Il me faisait croire ça, mais je pense que dans sa tête, il avait déjà tout prévu, tout manigancé, quoi. Je me doutais pas qu'il allait me faire un coup comme ça, quoi. 2 jours plus tard, ce jeune homme vidait leur appartement en compagnie de sa nouvelle petite copine. Larguée à la rue comme ça, sans plus rien. Par amour, j'ai tout donné. Je l'ai pris pour une imbécile. Ouais. Je suis là, j'ai plus rien là. Tu veux qu'on te plaigne alors? J'ai perdu 2 ans de ma vie. Depuis le début, ben, les bonnes qu'à payer. Bah non, je vais avoir ton adresse. Le mec, il est parti comme ça. Il a tout pris. Jennifer est originaire de la Somme. Cette jeune fille volontaire à la santé fragile travaille dans la restauration depuis l'âge de 16 ans. Elle est saisonnière et partage son temps entre la Côte d'Azur en été et la Savoie pendant l'hiver. Il y a 2 ans, elle croit rencontrer l'homme de sa vie, un garçon de 22 ans que nous appellerons Christophe. Très vite, il a su me dire « je t'aime », le disait en fait tous les jours. Très vite, ça m'a mis en confiance. Au bout d'un mois et demi, on s'est mis très vite ensemble, en appartement. Tout va très vite, trop vite sans doute pour la jeune femme. Aveuglée par l'amour, elle accepte d'ouvrir un compte joint avec son compagnon, mais rapidement, elle aurait découvert qu'il serait criblé de dettes.
Dans sa vie avant, il avait les dettes en fait. Il payait pas son loyer, il avait les dettes de son loyer, de l'électricité, de l'eau. Il avait acheté des meubles qu'il avait encore à crédit, sa voiture aussi qui était encore à crédit. Je lui ai remboursé toutes ses dettes, quoi. Je lui ai mis toutes mes payes pour l'aider, parce que voilà, on se comprenait au début et donc je l'ai aidé à rembourser la moitié de ses dettes. Par amour, Jennifer aurait mis toutes ses économies à la disposition de Christophe. Selon elle, il aurait profité de la situation. Début 2006, Jennifer et Christophe décrochent ensemble un CDI dans un petit hôtel de Besançon. Le couple emménage sur place, dans un appartement situé au rez-de-chaussée. Pendant 5 mois, ils consacrent leur temps à équiper le studio, mobilier, télévision, four à micro-ondes, ordinateur, le tout payé bien sûr avec l'argent du ménage. À l'époque, Virginie connaissait bien le couple puisqu'elle était leur supérieure hiérarchique. Au fil du temps, des liens d'amitié s'étaient même tissés entre eux. Pour nous, c'était le couple qui vivait vraiment l'amour parfait. On savait très bien qu'il avait eu des bonnes aventures avant, tout ça, qu'il aimait bien vivre. Mais depuis qu'il connaissait Jennifer, on pensait qu'il avait trouvé son âme sœur, quoi, c'est ça. Mais voilà, quoi. Non, pas du tout, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est en juillet dernier que tout a basculé. Alors que le jeune couple est censé être en vacances, Virginie aperçoit Christophe, seul, qui pénètre dans le hall d'entrée. Il lui fait une déclaration fracassante. Je quitte Jennifer, je viens chercher mes affaires. Bon, il a bien précisé mes affaires. Mais j'ai regardé dans la voiture, il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture, c'était pas Jennifer. Je dis, vous avez une nouvelle amie? Il dit oui, donc voilà. Atterrée par le comportement de Christophe, Virginie a un mauvais pressentiment. Quand nous, on a fini notre travail, je dis à mon mari, écoute, il y a un truc qui va pas, je veux voir dans la chambre. Je dis, je me permets d'aller voir dans la chambre, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Plus d'étagères, plus d'électroménager, plus rien. Plus d'habits, plus rien. L'appartement est entièrement vide. Christophe aurait emporté avec lui tous les effets personnels de Jennifer, ses papiers d'identité et même ses vêtements. À 400 km de là, la jeune femme ne se doute de rien. Elle est sous le choc quand Virginie lui apprend la nouvelle. Là, je me suis effondrée totalement, quoi. C'est sûr, là, c'était la grosse claque que je l'ai eue en pleine figure, quoi. C'est ça qui m'a fait surtout mal, quoi. Déjà d'apprendre qu'il a quelqu'un d'autre et d'apprendre qu'il a tout vidé, quoi. Je me retrouve sans rien. Depuis 2 mois, Jennifer n'aurait pas obtenu la moindre explication de la part de Christophe. Pas une lettre, pas un coup de téléphone, rien. Il aurait rapidement changé de portable et quitté la région, laissant Jennifer dans le plus grand dénuement. Alors qu'elle était au plus mal, Jennifer a pu compter sur le soutien de sa mère. Même si elle n'appréciait pas beaucoup Christophe, elle a toujours respecté le choix de sa fille. Je doutais de quelque chose. J'avais toujours dit à mes amis, je dis, si un jour il s'en va, je dis, je te piote là, ça va retrouver sans rien. Il y a encore quelques mois, je l'ai dit et puis c'est bien arrivé. J'aurais mieux fait de dire mes idées autrement parce que je l'avais jugé. Mais tu sais, faut pas pleurer, faut pas t'en vouloir, parce que même moi je l'ai gros, parce que je me dis que j'aurais dû y faire quelque chose aussi depuis le début, hein. Si jamais on n'avait pas été là, parce que bon, on est encore en bonne santé, tout ça, on aurait pu être autre chose, on aurait pu être plus vieux, Si j'avais pas été là, on se retrouve à la rue. À se retrouver à la rue sans papier, sans vêtements, rien, mais rien du tout, sans rien, sans argent, sans rien. Jennifer n'a eu d'autre choix que de retourner vivre chez ses parents. La famille a dû se serrer pour lui faire de la place. Elle occupe provisoirement la chambre de son frère et voici ce qu'il lui reste de ses 2 ans de vie passée. 3 malheureux petites robes avec un petit corsaire, c'est fabuleux. Une paire de claquettes et bien sûr le caméscope. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Il ne reste plus que ça. J'ai rien pu faire pendant plusieurs jours. Elle est restée sans manger, elle est restée cloîtrée dans la chambre. Sans arrêt, j'allais frapper à la porte pour savoir si elle voulait manger. Elle refusait tout. Non, je pense qu'il a tout calculé. Enfin, personnellement, c'est mon avis à moi. Qu'est-ce qu'elle a, elle, dans tout le lot? Rien du tout. Elle a absolument rien à son nom. Donc c'est une gamine qui a travaillé pendant 18 mois, qui a versé ce salaire sur le compte de ce jeune homme. Hein, pour avoir quoi au bout? Rien. 18 mois de perdu pour rien. Car Christophe aurait bien pris soin de mettre toutes les factures à son nom. Aux yeux de la loi, il est l'unique propriétaire de tout ce que le couple a acheté. Et ce n'est pas tout. 2 mois seulement avant de la quitter, Christophe aurait convaincu Jennifer de souscrire avec lui un crédit de 15 000 euros pour une nouvelle voiture. Il avait en tête d'acheter sa voiture de toute façon. Donc je pense qu'il m'a manipulé pour acheter sa voiture et je pense qu'il a fait tout pour l'avoir. Et il l'a eu.
Aujourd'hui, c'est vers elle que la banque se retournera si les créances ne sont pas honorées. Un comble, puisqu'elle n'a même pas le permis de conduire. Ce sera aussi à elle de rembourser le découvert qui aurait été, selon elle, creusé par son petit ami après son départ précipité. Jennifer doit retrouver Christophe. Objectif, récupérer ses papiers et être désolidarisée du compte et du crédit. Sa seule piste, les parents de Christophe, chez qui il est toujours domicilié. Nous nous y rendons en caméra cachée. Moi, je voudrais lui parler. Il a dit qu'il allait cramer mes papiers. Je suis désolée, c'est mes papiers. C'est mes affaires, c'est moi qui les ai. Ah bon, c'est vous qui les avez ? C'est moi qui les ai. Donc, t'inquiète pas, ils sont... Si vous vous arrangez, de toute façon, déjà... Si on s'arrange de quoi ? Il m'a tout pris. T'as envie de te mettre de bave dans la gueule ? Oui, bien sûr, ouais. Bah, essayez. Ouais. Vous n'avez pas à mettre de bave dans la gueule. Ouais. C'est lui qui a tout pris, c'est lui qui a tout. C'est pas moi qui l'a fait, non ? Je lui rends tout ce que je lui dois. Je lui dois quoi ? Je lui rends la table, les chaises, le frigo. Non, elle est belle. Je suis là, j'ai plus rien là. Tu veux qu'on te plaigne là, non ? Non, tu lui rends tout ce que tu lui dois. Non, il me rend tout ce qu'il me doit. Tu sais que les impôts, ils sont peut-être pas au courant. Tu travailles depuis 2003. Ah, désolée, mais j'ai 21 ans. Mes parents, j'étais sans mes parents et pendant 2 ans. Là, je me suis inscrite, je l'ai à les payer là. Tu rends ce que tu dois. Mais non, j'ai rien à rendre, je n'ai rien du tout. Bon, puis dégage parce que là, ça va pas aller. Allez, les gars. Viens, allez, hop, devant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah attendez, doucement là, ouais. Allez hop, dégage. Ici chez moi, tu veux. Bah non, je vais avoir ton adresse. Non, mais tu vas avoir rien de mauvais. Christophe et sa famille n'ont visiblement aucun scrupule à détenir arbitrairement les papiers de Jennifer. Ils n'hésitent pas à exercer sur elle un chantage inacceptable alors qu'elle n'a plus rien. Il m'a laissé un crédit de 15 000 euros que je dois rembourser moi-même. Je rentre dans la vie, je veux dire, je peux pas, j'ai aucun moyen de payer un crédit de 15 000 euros. Je peux pas. De m'avoir quitté encore, ça me dérange pas, mais c'est d'avoir tout pris, quoi. J'ai plus rien là. J'ai usé 2 ans de ma vie à quoi ? À tout lui. À tout. Il a tout pris, quoi. J'ai plus rien. J'ai usé 2 ans de ma vie pour lui acheter, pour lui rembourser tout. Tous ses crédits. Jennifer est une femme meurtrie, trompée, qui veut aujourd'hui solder les comptes de cette relation destructrice. Désormais, la jeune femme souhaite renouer le dialogue avec son ex-compagnon et récupérer les biens qui lui appartiennent. Après, elle pourra enfin recommencer une nouvelle vie. L'enquête est signée Grégory Ojol pour Sans aucun doute. Alors, on vous a vu très ému dans ce reportage, très ému également en le regardant. Qu'est-ce qui vous fait autant de peine ? C'est d'avoir autant donné pour finalement vous retrouver avec rien ou la peur de l'avenir, sachant que maintenant vous n'avez plus rien ? Les deux en même temps. On a vu également quelque chose de très important, mine de rien, dans cette caméra cachée. C'est l'ancienne belle-maman, appelons-la comme ça, qui dit les papiers, c'est moi qui les ai, oui, voilà. Ils n'ont pas été brûlés et je ne les rendrai que si vous trouverez un accord. Mais c'est incroyable ça, pourquoi elle ne vous les a pas donnés ? Qu'est-ce que... Parce qu'il me réclame la somme de 1500 euros, parce qu'en en fait, quand il m'a suivi au début, il a laissé chez maman, il a laissé une gazinière, un frigo et une table et des chaises, 6 chaises. Donc il me réclame la somme de 1500 euros pour tout ce que j'ai, mais moi, il peut les récupérer, moi j'en ai pas besoin, hein, je veux dire. Et il me réclame aussi la somme de 1800 euros pour le découvert qu'il a fondé quand il est parti. Oui, et puis surtout, il n'a pas cherché à ce qu'il y ait une transaction. À un moment donné, il aurait pu vous dire, j'en ai marre, je m'en vais, j'ai rencontré une autre copine, certes, voilà comment fait-on, partageons, etc., prenons des avocats, etc. Il est parti, il s'est sauvé en prenant tout et en se faisant quelque part un peu justice lui-même. Voilà. Alors, déjà, maître de Caumont, le fait que cette dame dise, les papiers, moi je les ai, et je ne les rendrai que si vous trouvez un accord tous les deux. Est-ce que, du coup, la maman se retrouve impliquée elle-même, juridiquement ? Elle a passé la barrière du pénal, chère à notre spécialiste Sylvie Novakovic, puisqu'il y a eu un vol par l'ex-petite amie de mademoiselle de papiers qui, par définition, lui appartenaient à elle. Ça pouvait pas être en commun, les papiers. Ils ont été volés, et les parents de ce monsieur reconnaissent qu'ils les détiennent. Donc ils sont receleurs d'un vol. Ils peuvent encourir 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est très grave. Malgré nos tentatives, nous n'arriverons pas à joindre l'ex-compagnon de Jennifer. Nous décidons alors de contacter la mère de ce jeune homme, car c'est elle qui détiendrait les papiers de Jennifer. Donc aujourd'hui, vous dites que vous rendrez les papiers s'il y a 900 euros de payés. S'il y a 900 euros, la moitié du découvert bancaire, et si ses parents payent ce qu'ils doivent. Voilà, c'est d'accord. À dire... Alors, maintenant, je suis d'accord avec vous, madame. Vous voyez, sur le compte joint... Un conjoint, c'est fait, chacun assume, chacun paie la moitié. Tout maintenant, est-ce qu'on est d'accord pour dire que la voiture a été achetée à deux ? La voiture est neuve, on paye le crédit, la voiture, il y a 3 mois qu'il l'a. Hein.
Oui, mais attendez, donc, il paye voiture, le crédit. La voiture est à crédit, hein, donc ils n'ont rien payé, ils n'ont rien avancé comme fixe sur la voiture. Hein. Donc, crédit... donc le crédit, on est d'accord, elle n'a pas besoin de le payer, c'est lui qui va le payer. Bah, tout à fait, tout à fait. De toute façon, je vais vous dire, on est allé voir le banquier, moi je suis allé voir le banquier avec mon fils, donc je suis bien au courant du problème. On a même envoyé un courrier en recommandé pour dire à la banque qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Donc la voiture, vous nous dites, c'est mon fils qui va la payer puisque c'est lui qui l'utilise, on va aller voir le banquier. Reste le découvert, 900 euros chacun. Maintenant, parlons du frigo, etc. Alors, voilà. Ne lui parlez pas, c'est moi qui lui parle, parce qu'il faut bien qu'elle réponde. Madame a l'air de se plaindre, nous l'écoutons, de cette histoire de frigo et de chaise. Qu'en est-il, Jennifer? Jennifer est en pleurs, excusez-la madame, on va lui laisser reprendre. Oui, mais enfin, elle a fait le même cinéma chez mes parents, alors vous savez, j'ai peur, parce que je vais vous dire, moi... Qu'elle fasse du cinéma, parce que pleurer aussi facilement. Allez. Mais moi, je vais vous parler, madame, parce que je suis la maman, justement, de Jennifer. Je suis là aujourd'hui. Alors, justement, c'est l'occasion d'avoir de bonnes explications, parce que je vous ai jamais vue, mais vous m'avez fait des coups en vache derrière mon dos. Des coups en vache derrière votre dos. Enfin, je vous signale quand même que si, votre fille, quand même, quand l'année dernière, je l'ai faite avorter, c'est elle qui a voulu avorter. Oui, vous l'avez forcée à avorter, madame. Pour la faire avorter, vous l'avez forcée, madame. Vous l'avez forcée. Vous oubliez de le dire. J'ai su seulement deux mois après qu'elle était avortée. Je ne peux pas vous parler, à vous, je ne vous connais pas déjà. Mais justement. Je suis une voleuse, madame. Parce que quand on je suis une voleuse maintenant. Pour dire. C'est vous qui avez voulu le buffet, les chaises. Vous a dit, vous lui avez même dit, je ne peux pas vous payer les 1000 euros. Et... Ok, je ne peux pas vous payer les 1000 euros. Je vous paierai 100 euros par mois. Ça va faire deux ans, madame. Et les 1000 euros n'ont jamais été payés. Est-ce que vous avez. Donc, vous êtes engagée, vous. Alors, je m'adresse à la maman de Jennifer. Est-ce que vous êtes engagée auprès de cette dame à lui payer les 1000 euros? Du tout, mais du tout. Je ne sais même pas de quoi il parle. En plus, Attendez, madame. Et moi, le frigo et les chaises, alors, c'était à lui? Oui, c'est à lui. Il est libre de venir le chercher quand il veut. Elle n'en veut pas parce qu'elle dit que c'est à lui, les chaises sont à lui, madame. Mais madame, elle semble vous dire qu'il peut venir les chercher quand il veut. Ben voilà, quand il veut. J'ai jamais dit qu'il vienne pas les chercher. Il s'est sauvé comme un lapin. Alors, qui c'est qui l'empêche de venir chercher tout ça? Parce que personne. Pourquoi, quand il est parti, il a pas dit à un moment donné, je vais m'en aller, je ne veux plus vivre avec toi, partageons les choses? Et il est venu, il a tout vidé. Donc, il faut non, pas. Il a rien vidé du tout. Ah, si, c'est les. Il a récupéré ses affaires, point. Hein. Les employeurs. Il a rien vidé du tout. Alors, comment ça se fait que vous avez. Avec 1800 euros de découverte madame, s'il est parti qu'avec ses affaires, comment se fait-il que vous ayez les bulletins de paix de la petite? Ben parce que les a déménagés, il a tout ramené. Voilà, donc il est parti avec tout. Et avec ses habits également. Oui. Avec les ses vêtements à lui, mais il a nullement ramené. Et mes vêtements aussi. Bon, alors, madame, reconnaissez quand même qu'il n'a pas cherché à faire un partage. Il n'a pas dit à un moment donné, Jennifer, je ne t'aime plus, je ne veux plus être avec toi, séparons-nous, voyons comment on peut faire, mettons-nous autour de la table. Il a dit, je prends tout et on discute après. Donc c'est pour ça que le prix. Il a pris ses affaires, point à la ligne. Mais à un moment donné, soyons raisonnables. Il s'est quand même sauvé avec une fille et ça ne nous regarde pas. Elle avait peut-être un copain, peu importe. Et l'avortement, madame, je veux même pas en entendre parler. Ça, c'est pas du tout non, le propos. Mais en fait, si j'avais pas eu de relation, Julien, de faire intervenir des gens que je connaissais. Mais madame, pourquoi, madame? Des gens qui se séparent, il y en a tous les jours. Des gens qui se séparent en partant et en vidant tout sans même prévenir l'autre, ça n'arrive pas tous les jours. Pourquoi il lui a pas dit, je m'en vais, est-ce que tu veux le frigo? Non, c'est moi qui le garde. Comment on fait pour la voiture? Comment on partage le compte commun? Il est parti tout de suite, elle a rien vu venir. Les employeurs, ils nous ont raconté lors de l'interview qu'ils étaient comme ça à regarder les meubles déplacés. Et maintenant, en plus, ils se plaignent. Les meubles, il n'y avait aucun meuble, Julien. Il n'y avait rien du tout dans l'appartement. Il est revenu. Alors, pourquoi le frigo, madame, vous n'avez pas répondu. Pourquoi le frigo et les chaises, ou je ne sais trop quoi, le buffet, chez elle? Chez la mère de Jennifer. Mais cette dame, c'est quand ils ont déménagé pour partir à Méribel pour faire les saisons d'hiver comme cuisinier et serveuse, cette dame a dit, je te prends le buffet, je te prends les chaises, je te les paye 1000 euros. Elle a dit, je vous les donnerai pas, vous les payez 1000 euros. Ok, pas de problème. Bon. On va tous payer d'un compte, rembourse 500 euros par mois. Elle l'a dit ou elle l'a écrit, madame? Madame, elle l'a dit ou elle l'a écrit? Bah, elle l'a dit. Voilà, vous vous dites qu'elle l'a dit, elle dit je l'ai pas dit. Vous savez très bien, madame, vous connaissez un peu la base de toute négociation. S'il n'y a rien d'écrit, ça sert à rien d'y passer deux heures. Vous allez me dire qu'elle l'a dit, elle va dire qu'elle l'a pas dit. Donc aujourd'hui, qu'ils viennent chercher son frigo et ses meubles. Qu'ils viennent les chercher, elle en veut pas. Alors vous lui rendez les papiers. Pourquoi, Julien, dites-moi. Il a pris ses papiers, madame. Madame, il a pris ses papiers. C'est vous qui les avez, ils sont chez vous. Pourquoi il les a pris? Papiers, il a pris tout le truc. Voilà. Et est-ce que c'est normal qu'il ne l'ait pas prévenu? Qu'il lui ait dit, voilà Jennifer, ce soir on se sépare. Est-ce qu'il est normal qu'il ait fait ça dans son dos? Est-ce que c'est courageux? Est-ce que c'est gentleman, pendant qu'elle n'est pas là, de venir et de prendre les affaires et de s'en aller comme un voleur? Est-ce que vous trouvez ça normal, madame? Est-ce que vous aimeriez que votre mari vous fasse ça? Que vous rentriez demain et qu'il n'y ait plus ses affaires et plus rien? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse, madame?
Que votre mari s'en aille demain avec tout. Moi, on me l'a déjà fait, donc de toute façon... Alors, c'est normal, comme on vous l'a déjà fait, il faut qu'il le fasse. C'est un truc, c'est héréditaire, ça se transmet de père en fils. Non, non, non. Mais moi, je vais vous dire, à ta place, j'aurais fait exactement la même chose, Julien. Bon, alors, madame, soyons maintenant, là. C'est, ça devient ridicule. C'est, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, peu importe. Elle a plus de papier, elle a pas de chômage, elle a rien. Elle s'est fait virer pour faute grave, du coup, puisque le poste était à deux. Je vais vous dire, Julien. On lui a envoyé un courrier avec mon fils. C'est clair, net et précis. Tu payes, tes parents payent ce qu'ils doivent, donc le buffet, les chaises, 1000 euros, bon. Ok, même si c'est pas 1500, qui paye les 1000 euros s'ils d'accord. veulent, ça, et la c'est... moitié du découvert bancaire, et on en reste là, okay. Et tes papiers, ça... lui seront renvoyés demain, Julien. Ça, c'est une possibilité, mais attention, madame, et je vous dis attention, il y en a une deuxième, maître de Caumont, avocat. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je comprends très bien qu'il puisse y avoir des différends, j'allais dire, financiers, commerciaux presque, entre les deux familles. Ça doit s'arranger. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que les papiers en question, dont vous êtes détentrice à l'heure actuelle, sont des papiers dont la propriété, par définition, ne peut être que celle de Jennifer. Donc, de toute façon, vous les détenez sans aucun droit. Moi, je pense que la situation, elle est simple. 1, il faut rendre les papiers. 2, il vient chercher ses meubles. 3, il garde la voiture. Et basta. Et on n'en parle plus. Je suis entièrement d'accord principe, Julien. Je suis entièrement d'accord sur le principe, mais le découvert bancaire de 1800 euros, c'est normal qu'elle paye par moitié. Jennifer. On rembourse par moitié. Point. Je peux vous parler? Jennifer. Non, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Donc arrêtez, puis de toute façon, je veux pas arrêtez, parler. Arrêtez, moi je vous parle, donc vous m'avez parlé, je vous parle. Non, il n'y a rien à vous dire, vous savez pas comment il est. Je suis désolée, Jennifer, quand on salit tes parents comme tu nous les as salis, que tu as dit que tes parents c'était des voleurs, qui t'avaient tout volé, oui, bien sûr, que t'avais 40 000 francs d'avance. Je crois que c'est un peu vous la menteuse, là. C'est un peu vous la menteuse. Moins que rien. C'était de la basse classe que tu voulais. Mais vous imaginez que j'ai plus rien aujourd'hui, Jennifer. Arrête de vous dire pouvez des me laisser parler. Je vous ai laissé parler. Vous pouvez me laisser parler. Pourquoi moi, nous qui étions. Vous avez quel âge là? Pourquoi tu nous as tourné le dos, Jennifer? T'avais pas le droit de faire ça. C'est Jennifer. Qui est une bonne actrice et qui sait bien faire du cinéma, Julien. Vous inquiétez pas. Non, c'est bien vous qui s'est servi de moi. Et moi, je veux juste, en fait. Et encore, je pourrais demander de l'argent parce que tout ce que je lui ai donné. Hein, déjà, je demande pas d'argent. Je veux juste qu'on m'enlève le crédit. Déjà d'une. Que le crédit soit à lui, à sa charge. Et je veux juste récupérer mes papiers. Voilà. Oui, j'appelle, pas de problème. Hein, la voiture, elle est pour lui. Notre journaliste s'arrangera avec les organismes bancaires pour qu'ils acceptent que ça soit lui qui la paye, qui la garde, ou alors il la vend. Les meubles, il les récupère s'il veut, il les récupère pas. Mais en tout cas, il n'y a pas 1000 euros. Il a payé sa moitié de découvert, elle s'occupe de l'autre moitié. D'accord? Oui, bien sûr. Merci, madame. Merci beaucoup de votre gentillesse et d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci. Malheureusement, pour aujourd'hui, nous n'arriverons pas à obtenir d'engagement supplémentaire. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Nos équipes, en coulisses, ont travaillé durant une bonne semaine. Jennifer revient donc sur notre plateau. Elle est un peu inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Très mal. Très mal, hein ? Ouais, très mal. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours rien eu. Puis tu veux ça, sans réponse. Inquiète, d'autant plus qu'un rendez-vous téléphonique a été pris avec son ex-compagnon. Elle ne l'a ni vu ni entendu depuis leur rupture. Et pourtant, lui seul peut prendre les engagements nécessaires au démarrage d'une nouvelle vie. C'est l'heure du rendez-vous. Pourquoi on ne lui rend pas ses papiers ? Bah, moi, il n'y a aucun problème, si vous voulez. Là c'est prévu que... Non, mais... On lui rende. Bah, alors, il y a un autre point à éclaircir, si vous voulez, parce qu'on avait un compte commun. Oui, non, mais le découvert, vous allez me parler du découvert ? Ouais, voilà. Non, mais ça, on s'est mis d'accord. Elle prend la moitié à sa charge. Il y a 1000 pour vous, 1000 pour elle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui, tout à fait. Moi, pour ce papier, il n'y a aucun problème, aucun souci. Bon. Avant d'arriver au papier, reste le crédit pour la voiture. Vous êtes d'accord pour dire que c'est vous qui jouissez de la voiture, elle n'a pas le permis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est vous qui le reprenez.
De toute façon, là, j'ai un emploi, donc je peux venir à la charge du crédit sans aucun problème. Alors, autre chose sur laquelle je me dois de vous poser la question, monsieur, et je vous remercie encore mille fois de nous parler, c'est vraiment sympathique de votre part. Votre maman a évoqué différentes choses, Jennifer aussi. Alors voilà, moi je veux que vous puissiez y répondre, je ne veux pas dire des choses sans que vous ayez pu y répondre. Il a été question d'une petite amie qui était avec vous quand vous étiez avec elle et quand vous avez quitté l'hôtel où vous travailliez à l'époque. J'avais une amie, mais pas petite amie, quoi. Bon, ok. Et d'autre part, votre maman a évoqué un problème d'avortement. Voilà, on a beaucoup polémiqué là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire là-dessus ? Bah, pas spécialement, mais d'après ce qu'a dit ma mère, je sais pas, elle vous a dit qu'on l'avait forcé à avorter, mais bon, on force personne à avorter. Ouais. Et ni pas parce que c'est vrai. Bon. De toute façon, j'ai pas envie de te parler, donc... Bah forcément, parce que c'est toi tout le temps. Moi, je crois que vraiment, monsieur, là, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est lui rendre les papiers. Mais vraiment, quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, qu'elle puisse aller les chercher dès ce soir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais oui, mais on ne lui a pas donné. Si, je crois qu'elle a recontacté vos services justement pour vous les donner, mais ce qu'elle voulait, c'est une attestation disant que mademoiselle s'engage à rembourser la moitié du découvert. Ah oui, mais... Et d'une part, s'engage à restituer les meubles qui sont chez ses parents. Mais monsieur, il n'est pas question, je pense que vous ne comprenez pas. Là, on essaye de vous faire comprendre où est votre intérêt. Dans votre propre intérêt, il n'est pas question. Monsieur, il n'est pas question de subordonner la remise de documents qu'en fait vous avez volé, appelons un chat, à un quelconque accord ou à un engagement de sa part de participer ou de rembourser quoi que ce soit. Monsieur, jusqu'à présent, elle a été sympa. Demain, elle va dans un commissariat. Il débarque dans la loge de vos parents, il fouille, etc. Enfin, vous voyez, ça peut aller très loin. Donc, c'est ridicule. Surtout qu'on est en train de trouver un accord, qu'elle rende les papiers, et dès ce soir, qu'elle puisse aller les chercher, parce que ça vous met dans une situation, mais c'est idiot pour si peu. Alors. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais on va envoyer quelqu'un nous, si vous voulez. C'est pas elle qui va aller chercher, on va envoyer quelqu'un nous. Mais c'est pas donnant-donnant, parce que votre maman, elle est en train de dire c'est donnant-donnant. Bernard Sabat. Juste un point, monsieur, je vous rappelle que vous avez en main, d'accord, des bulletins de salaire pour qu'elle s'inscrive au chômage aujourd'hui. Elle ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'en plus des papiers que vous avez quelque part volés, comme l'a dit Maître de Caumont, le deuxième point, c'est qu'en plus, elle ne peut pas s'inscrire au chômage. Soyez gentils, donnez tous ces papiers-là. Comme ça, déjà, on aura réglé une grande partie du problème. Et dernier point, comme vous l'avez écrit Julien, mais je crois que c'est le point essentiel. Laissez les meubles là-bas chez votre ex-belle-mère ou venez les récupérer avec un camion, puisqu'on a pris l'engagement de vous laisser récupérer ces meubles-là si vous le souhaitez et que le dossier soit clôturé. Il n'y a aucun souci, monsieur. Comme promis, nous envoyons l'une de nos journalistes auprès de la mère de l'ex-compagnon de Jennifer. Son objectif, récupérer les papiers. 10 minutes plus tard, nous établissons le contact avec elle pour savoir si elle a réussi sa mission. Vanessa, m'entendez-vous ? Oui, je vous entends très bien, Julien. Donc Vanessa, vous avez pu vous rendre sur place où travaillent ces gens-là. Comment ça s'est passé ? Bah écoutez, ça s'est plutôt très bien passé puisqu'ils m'ont remis l'ensemble des documents de Jennifer, sa pièce d'identité, ses bulletins de salaire et ses assurances, enfin tout ce dont elle a besoin pour démarrer une nouvelle vie. Ce qui veut dire qu'elle va repartir ce soir avec. Ah ben voilà. Mine de rien, ça n'a l'air de rien. Ce ne sont que des papiers d'identité et pourtant ça va tout changer pour vous. Hein. Vous allez pouvoir dès demain vous inscrire en recherche d'emploi, au chômage, vous allez pouvoir également... enfin, je ne sais pas, il y a des tas de choses pour lesquelles vous étiez bloqué. Oui, oui, exactement. Tout. J'étais... tout, quoi. Et passer votre permis pour pouvoir bosser. Voilà, oui, pour pouvoir travailler. C'est la chose qu'il me faut absolument. Bon, est-ce qu'on peut dire que là, on a quand même fait le tour de tout et que finalement, on s'en sort pas trop mal ? Oui, oui, non, finalement, je suis contente. Finalement, je suis contente au début. Mais là, avec le recul. Bon, écoutez, on est ravis pour vous et que ça vous donne l'occasion de redémarrer... dans la vie, parce qu'elle était un peu en suspens depuis quelque temps, votre vie. Hein. Oui, oui. Depuis 3 mois, là, elle était... Non, là, c'est moi. Je vais pouvoir redémarrer sur de bonnes bases et faire attention maintenant. Jennifer, on était ravis de vous aider et merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. D'accord, merci beaucoup. Merci Vanessa, bravo.